News, infos sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Damabit Togo, a accordé une audience à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. La Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite entretiennent de très bons rapports de coopération que les deux pays souhaitent renforcer au niveau parlementaire. La diplomatie parlementaire est au centre de cet entretien entre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Abdullah bin Ahmad, et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adamabit Togo. Nous avons profité de l'occasion pour échanger la liste des groupes d'amitié parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous souhaitons renforcer les relations parlementaires entre le Conseil consultatif du Royaume d'Arabie Saoudite et Al-Shura et le Parlement de la République de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adamabit Togo, prône le rapprochement entre les institutions parlementaires. Cette visite s'inscrit dans le prolongement de l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le roi d'Arabie Saoudite. Je crois que la diplomatie parlementaire viendra être un plus de l'excellence de la diplomatie existante déjà entre le roi de l'Arabie Saoudite et le président son excellence Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adamabit Togo, a reçu une invitation de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, son excellence Abdullah bin Ahmad, a effectué une visite de travail et d'amitié en Arabie Saoudite. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.